C'était par un beau jour de septembre. Ils étaient tranquillement assis à jouer au cube dans leur chambre avec leur petite sœur chérie. Elle serrait bien fort sa poupée tendrement dans ses jolis bras. Au fond, me dis-je, quelle belle journée, quand soudain on frappa. Chambre. Voilà deux garçons bien gentils et une petite fille qui m'a l'air tendre. Oh oui. Puis sans plus de manière, ils s'enfuient en portant les cubes, la poupée, en enlevant leur petite sœur chérie. Alors Félix a dit: en voilà, il peut faire sa prière, la coupe de revolver, en plein dans le derrière. Son cheval blanc, Félix et son revolver. Victor, lui, galope devant, mais Félix est juste derrière. Victor et son cheval blanc, Félix et son revolver. Et Bad Billy qui les attend, tapis dans sa tanière. Je vous attends, tapis dans ma tanière. Oui, bon, voyons la suite. Après une longue course dans la prairie, ils allèrent en rampant comme des scolopendres, encercler le repère de Billy sans faire de bruit pour le surprendre. Patiemment, ils attendirent la nuit, puis Félix passa par la cheminée, pendant que Victor, lui, criait aux bandits: sors d'ici, Zyclose, espèce de pute des pieds. Il éteint la lumière. Oh, Félix lui tombe dessus par derrière. Victor le cogne sur la cafetière. Et Billy tombe par terre. Te voilà libre, petite sœur chérie. Merci que vous êtes bon, j'ai Victor et son cheval blanc, Félix et son revolver. Victor, lui, galope devant, mais Félix est juste derrière. Victor et son cheval blanc, Félix et son revolver. Et Bad Billy, tout tremblant, qui se frotte le derrière. Son revolver, Victor lui galope devant, mais Félix est juste derrière. Victor et son cheval blanc, Félix et son revolver. Et Bad Billy tout tremblant qui se frappe le derrière. Et youpia, yo.